de pénétrer sur le territoire du Quetzalcoatl. Terminons nos préparatifs avant de la tirer à nous. Je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Je confirme qu'il s'agit bien du Quetzalcoatl. Voici ce que je peux vous dire à ce sujet. Sorte de croisement entre un oiseau et un dragon, le Quetzalcoatl est réputé pour sa présence. Il a un tempérament fier et solitaire, et il a souvent été vénéré comme un dieu. Par nature, Quetzalcoatl se montre donc rarement devant des humains. Mais ces dernières années, ses rencontres deviennent plus fréquentes. Il semblerait qu'il se mette à attaquer le bétail car la Mako entraîne la raréfaction de ses proies habituelles. En collectant davantage d'informations sur lui, nous parviendrons peut-être à trouver un moyen de coexister. En d'autres termes, nous devons le vaincre pour le sauver. Tiens ! Scannage de la zone en cours. Courage ! Vous pouvez encore gagner ! J'ai la tête qui tourne. Fini de jouer. C'est pas vrai. Je compte sur toi. Je m'en occupe. Je vais te montrer ce que je sais faire. Vous êtes si fort, c'est incroyable. Quoi? Tu veux que je reste à l'écart? Laisse-moi finir. C'est pas vrai! Garde ton sang-froid. Je vais me rendre. C'est ça! À l'attaque! Précipite pas. À mon tour. Varions un peu les choses. À mon tour, c'est ça? Je vais te mutiler. Allez, cours. Tu peux t'en charger? Je m'en charge. Vas-y. Je compte sur toi. Okay. Je vais te montrer ce que je sais faire. Yep. Profitez à moi le plus grâce. Vous êtes déchiqueté. Je
Allez-y à fond. Tu peux t'en charger? À toi de jouer. À mon tour de briller. Tu vas voir le potentiel de mon essence. Prendre-les. À mon tour. Garde ton sang-froid. Laisse-moi te faire. Fais pas de folie. Elle pourrait être utile pour la synthèse d'objets. Faites bien attention à ne pas la perdre.